Oubliez vos complexes et blocages. L'essentiel est de se lancer. C'est le premier pas qui est le plus difficile. Il vaut mieux commencer à parler avec quelques erreurs, comme nous le faisons d'ailleurs, avec bien moins de complexes, en anglais par exemple, que de ne pas parler et laisser la langue disparaître. C'est en pratiquant la langue par la suite que vous pourrez encore affiner vos connaissances. L'idée est de se réapproprier rapidement la langue autochtone de Nice, mais aussi du sud de la France, de vos grands-parents, et de pouvoir communiquer avec d'autres locuteurs de toute l'aire linguistique occitane, de l'Italie à l'Espagne. De vous faire plaisir en comprenant mieux les noms des lieux, de plantes, les chansons traditionnelles, les recettes de cuisine,